Mes chers Spartiates, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du primaliste chaman Totem, qui d'ailleurs ne se caractérise pas que pour le fait qu'il envoie des totems, mais aussi parce qu'il va se transformer en Ramus. Au moment où je fais cette vidéo, c'est Ramus qui a été la traduction française choisie pour Spriggan. Gros avantage de ce build, vous n'avez besoin littéralement que d'un bouton. Vous allez donc invoquer un Ramus, vous transformer vous-même en Ramus, et vous contenter de spammer les totems qui, au fur et à mesure que vous allez les réinvoquer, vont exploser et faire des dégâts, en plus de vous soigner si vous êtes à portée des totems. Si vous adorez les totems ou les builds à un bouton, ce build est fait pour vous. Il fait partie des très rares builds qui se jouent avec un ensemble d'objets, pour rappel il s'agit des objets verts, et qui en plus dans l'ensemble a très peu de prérequis, ce qui veut dire que vous pourrez assez facilement jouer ce build et atteindre le maximum de ses performances. Les objets sont relativement faciles à obtenir. Ce build est également intéressant en groupe puisque vous avez pas mal d'effets qui s'appliquent aussi sur vos alliés. Comme d'habitude la vidéo est chapitrée, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. On commence tout de suite avec la présentation du gameplay. D'abord deux choses très importantes, pour que le build fonctionne, il faut juste assez de points de spécialisation pour deux compétences. Premièrement, la compétence forme de Ramus, il vous faudra seulement 5 points. Grâce au nœud totem à pointe, quand vous êtes en forme de Ramus, les totems de soins que vous invoquez sont aussi des totems d'épines. Ils profitent de la spécialisation de la compétence totem d'épines. Deuxième compétence importante, en tout cas deuxième nœud important à les récupérer, c'est avec la compétence totem d'épines. Il vous faudra 8 points. Grâce au nœud cœur putréfié, lorsque vous invoquez en boucle vos totems, les anciens totems explosent et disparaissent. C'est grâce à ce nœud que le spam de la compétence va produire de gros dégâts. Maintenant pour le gameplay à proprement parler. Tout d'abord, vous n'aurez à le faire qu'une fois, vérifiez que votre Ramus est invoqué. S'il n'est pas là, invoquez-le, c'est la touche 1 sur le gameplay. Ensuite, très simple, vous vous transformez en forme de Ramus, la touche 4 ici, ce qui va changer votre barre de sort. Vous aurez juste à spammer le totem de soin, healing totem en anglais, sur vos adversaires. Pour rappel, les totems de soin deviennent aussi des totems d'épines. De préférence, envoyez les totems à distance, même s'ils sont trop loin et ne vous soignent pas. Il vaut mieux rester loin et faire des dégâts loin. Et bon, si les ennemis viennent au corps à corps, au moins, vous vous soignerez facilement. Maintenant, si vous rencontrez des ennemis robustes, vous pouvez envoyer un bouclier d'épines toutes les quelques secondes. En plus d'améliorer votre armure, il vous fera profiter de la bénédiction d'Ethera. Enfin, si vous avez déjà l'anneau unique Fronde Sylvestre, vous pourrez utiliser l'invocation de Liane pour vous téléporter. Parlons plus en détail de chaque compétence. On commence avec la forme de Ramus, de Spriggan. Grâce au nœud totem à pointe, quand vous êtes en forme de Ramus, les totems de soins que vous envoyez sont aussi des totems d'épines et profitent donc de tout l'arbre de spécialisation de la compétence totem d'épines. Compétence suivante, l'invocation de totem d'épines, qu'en réalité vous n'allez envoyer que quand vous êtes en forme de Spriggan de Ramus. Grâce au nœud cœur putréfié, lorsque vous invoquez en boucle vos totems, les anciens totems explosent et disparaissent. C'est grâce à ce nœud que le spam de la compétence va produire les gros dégâts. Compétence suivante, la bénédiction d'Ethera. Vous spécialisez ce sort que vous ne voyez pas dans votre barre de compétences, c'est normal. Grâce au nœud floraison de rose, lorsque vous vous êtes transformé en Ramus, en Spriggan, la bénédiction se lance automatiquement en même temps que vous lancez un bouclier d'épines. Alors la bénédiction d'Ethera va vous soigner et retirer les affections sur vous. Si votre vie est élevée, vous allez en plus invoquer un totem grâce au nœud renouveau ancestral. Compétence suivante, l'invocation de Ramus en touche 1 sur le gameplay ici. Il s'agit de votre compagnon invoqué, il va apporter plusieurs améliorations à vous et à vos alliés. Il vous soigne et vous redonne de la mana quand vous êtes dans sa portée. Il augmente également vos dégâts des sorts, vos chances de coups critiques et de l'évitement de coups critiques. Et enfin, cinquième compétence qu'on va spécialiser, il s'agit ici du bon de rage. En réalité, vous ne pourrez vous servir de ce sort de mobilité que quand vous ne serez pas transformé en Ramus. Il est spécialisé ici à titre représentatif, mais dans les faits, vous n'allez pas vous en servir. Vous pouvez tout à fait spécialiser autre chose selon votre désir ou votre besoin. Partie suivante, les objets et statistiques. Je vais commencer par vous présenter les objets d'ensemble et uniques, notamment à quelle catégorie ils appartiennent, où est-ce que vous allez pouvoir les trouver. On commence avec les objets d'ensemble et particulièrement la dague Burin de Ferebor. À lui seul, sans même profiter du bonus d'ensemble, il va vous apporter des statistiques très intéressantes pour vos totems. Il s'agit d'un random drop plutôt commun, vous pouvez le trouver n'importe où en butin. Objet suivant, le deuxième objet de l'ensemble, il s'agit de la bague Persévérance de Ferebor. Il s'agit aussi d'un random drop que vous pouvez trouver n'importe où, mais un peu moins commun que la dague. Quand vous aurez les deux objets de l'ensemble, vous allez activer le bonus d'ensemble qui va vous donner 2 points à toutes vos compétences de totem. Objet suivant et on passe aux uniques, on commence avec les gants Obsession de Julra. Vous ne trouvez ces gants que sur le boss Julra qu'on retrouve donc
à la fin du donjon du sanctuaire temporel. En ce qui est du potentiel légendaire, vous allez prioriser en premier les chances de bris d'armure à l'impact. En deuxième stat, vous voudrez les chances d'appliquer faiblesse à l'impact. En troisième stat, vous voudrez de la vitesse d'incantation. Et en quatrième, les dégâts des invocations. Unique suivant l'amulette Raldagoni, vous commencez à bien connaître et qu'on retrouve dans la plupart des builds. Il s'agit d'un random drop plutôt commun, vous pouvez l'obtenir n'importe où. Pour ce qui est du potentiel légendaire, vous allez prioriser la santé en additif. En numéro 2, vous voudrez les dégâts des invocations. En troisième, vous voudrez la régénération de PV. Et en quatrième, les PV des invocations. Enfin, cinquième et dernière unique, la bague Fronde Sylvestre. Il s'agit encore d'un random drop que vous pouvez trouver n'importe où mais qui est un peu plus rare que les autres objets qu'on a pu voir dans le build. Pour ce qui est du potentiel légendaire, vous allez prioriser en 1 l'endurance, en 2 les dégâts des invocations, en 3 la santé additive et en 4 les PV des invocations. Maintenant, pour ce qui est de la présentation globale des statistiques que vous allez rechercher. Vous voulez un maximum de vitesse d'incantation pour envoyer vos totems plus vite et donc déclencher plus d'explosions par minute. Puisque ce sont vos totems qui font les dégâts, vous voudrez les statistiques dégâts des sorts du totem et dégâts des sbires ou dégâts des invocations. Pour ce qui est des statistiques de base, les statistiques brutes, les dégâts des totems d'épines augmentent avec l'harmonisation. Également, une fois que vous aurez équipé la dague d'ensemble, le burin de fer et bord, votre intelligence augmentera également les chances de coups critiques de vos totems. Et vous le verrez, on va vouloir maximiser les chances de coups critiques et dégâts des coups critiques des totems. Pour ce qui est du G-Doc maintenant, vous trouverez le lien en commentaire épinglé et description, et je vais vous expliquer son fonctionnement. Vous avez donc deux tableaux, les statistiques en français et les mêmes statistiques en anglais en fonction de la langue que vous avez choisie dans le jeu. Les deux premières lignes vont vous indiquer l'implicite si vous jouez directement avec un objet. Il s'agira donc de sa base d'implicite. Et ne vous inquiétez pas, le filtre de butin que je vous fournis va filtrer automatiquement sur toutes ces statistiques. Dans la version optimale, si vous jouez avec un unique sur cet emplacement, alors le nom de l'objet est indiqué en orange. Mais tant que vous n'aurez pas d'unique, bien sûr vous pourrez jouer avec une alternative qui sera indiquée juste en dessous avec l'écriture noire et qui correspond donc, comme pour les emplacements sans unique, à la base d'implicite avec laquelle vous voulez jouer. Juste en dessous, vous avez donc les deux lignes qui correspondent au préfixe et deux lignes qui correspondent au suffixe, qui sont indiquées d'une couleur plus claire, c'est ceux que vous voulez sur l'objet. Vous avez également une ligne un peu plus foncée dans les préfixes et les suffixes, il s'agit simplement de la statistique que vous voulez fixer. Alors vous ne pouvez fixer qu'une seule statistique, il s'agira donc soit d'un préfixe, soit d'un suffixe. Également sur les quatre statistiques que vous voulez sur l'objet, donc les deux préfixes et les deux suffixes, pour chaque colonne, donc chaque objet, il y a une statistique à prioriser. C'est celle qui apparaît en gras et violet, c'est celle que vous voulez idéalement en exalté sur un objet exalté. Alors si vous tombez sur un objet exalté qui a une autre statistique en T6 ou T7, vous en serez quand même très content. Mais en very late game, quand vous voulez aller chercher l'opti final, c'est donc cette statistique en violet que vous voudrez en T6, T7. Partie suivante, les filtres de butin. Ici aussi, vous trouverez le filtre de butin dans le G-Doc. Sur le premier onglet, en dessous des statistiques, vous avez donc la partie filtre de butin. Vous avez le lien vers un document texte, vous cliquez dessus. Vous allez sélectionner tout le texte en faisant CTRL-A, puis vous allez le copier en faisant CTRL-C. Ensuite, vous allez dans le jeu, vous cliquez sur MAJ-F pour ouvrir les filtres de butin dans le jeu. Vous cliquez sur le plus à côté de la liste des filtres de butin. Et vous choisissez l'option « Coller le contenu du presse-papier ». Au moment où je fais cette vidéo, il y a un bug qui fait que le nom du filtre n'est pas sauvegardé. Pensez à modifier le nom du filtre, vous pouvez récupérer celui qui est au début de la description du filtre. Pour savoir comment gérer chaque couleur, c'est très important, je vous renvoie vers ma vidéo qui va vous expliquer les trois grandes catégories d'objets et ce que vous devez en faire en fonction de leur couleur. Le lien de cette vidéo est en description et en commentaire épinglé. Partie suivante, les passifs. Toujours dans le G-Doc, et vous ferez attention, il y a plusieurs onglets, vous retrouverez les passifs dans le deuxième onglet. Dans ce build, on va donc jouer avec les 4 plateaux disponibles de la classe Primaliste. Alors bien sûr, vous allez choisir la maîtrise Shaman, mais pour ce qui est de l'ordre dans lequel vous allez placer les points, vous allez d'abord placer 20 points dans l'arbre du Primaliste. Vous irez ensuite placer 27 points dans l'arbre du Druide. Ensuite, vous irez placer 46 points dans l'arbre du Chaman. Et enfin, vous pourrez mettre les points restants dans l'arbre Maître des Bêtes. Partie suivante, les compétences. Dans le G-Doc, vous ferez attention, il s'agit du troisième onglet. Vous allez donc retrouver les 5 compétences que l'on va spécialiser. Vous pouvez voir sur chacune des 5 illustrations les numéros en rouge. Ils correspondent à l'ordre de priorité dans lequel vous voulez aller chercher chaque branche et donc dans quel ordre vous allez placer les points. Note importante, en plaçant vos points, mettez le minimum requis et avancez en priorité pour activer l'extrémité de chaque branche.
Les points bonus que vous récupérerez via l'équipement viendront compléter les points restants à placer sur le chemin. Pour ce build Shaman Totem, on va donc spécialiser la forme de Ramus. Compétence suivante, vous allez spécialiser l'invocation de Totem d'épine. Compétence suivante, vous voudrez spécialiser la bénédiction d'Ethera. Quatrième compétence spécialisée, il s'agira de l'invocation de Ramus. Et enfin, cinquième compétence, il s'agira du bond de rage, mais ici, en réalité, vous pouvez mettre la compétence qui vous plaît. Il ne s'agit finalement que d'une suggestion, lorsque vous ne serez pas en forme de Ramus, vous pourrez utiliser le bond de rage pour gagner en mobilité. Partie suivante, les idoles. Dans le G-Doc, vous les trouverez dans le quatrième onglet. On va donc jouer avec trois types d'idoles différents. Première idole ici, l'idole lagonienne robuste. Il s'agit d'une idole générique. C'est l'idole verticale d'une case sur deux que vous pouvez voir ici. Vous allez chercher en préfixe la santé augmentée en pourcentage. Et en suffixe, vous voudrez de la résistance à la foudre. Idole suivante, une idole de primaliste, il s'agit de la large idole de nomade. C'est la grande idole verticale qui fait une case sur trois. Vous allez chercher en préfixe la santé augmentée en pourcentage. Et en suffixe, vous en voudrez deux différents que vous pourrez répartir sur les différentes idoles. Vous allez vouloir des dégâts augmentés des totems, ou bien deuxième suffixe, de l'évitement des coups critiques pour vous et pour vos invocations. Et enfin, troisième idole, la grande idole d'Eoro, qui est aussi une idole de primaliste. Il s'agit de l'idole horizontale 3 cases sur 1. Vous allez chercher en préfixe des chances de gagner de la hâte pendant 3 secondes quand vous invoquez un totem. Et en suffixe, vous voudrez de la régénération des PV augmentée lorsque vous êtes transformé. Partie suivante, les bénédictions que vous allez vouloir activer dans les différents monolithes. Je vous affiche la liste des bénédictions que vous voudrez sélectionner pour chaque timeline, chaque monolithe. Pour rappel, vous les sélectionnez en tuant le boss que vous invoquez grâce à la stabilité. Le boss, quand vous le tuez, ne vous propose pas toutes les bénédictions, il faudra donc potentiellement le faire plusieurs fois. Et un dernier détail, faites bien attention d'avoir les grands et grandes bénédictions. Les bénédictions dont le nom commence par grand ou grande sont en fait celles que vous récupérez dans les monolithes améliorés, les monolithes légendaires. Ce sera exactement le même effet que son homologue du monolithe normal, mais la valeur de cette grande bénédiction d'un monolithe légendaire est bien supérieure. Voilà mes chers Spartiates, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous prendrez du plaisir à jouer ce Shaman Totem. Il a l'immense avantage d'avoir très peu de prérequis, il est donc assez facile à mettre en place. Vous n'avez même que 4 compétences à spécialiser et le build marche avec seulement les 2 premières. Vous allez donc pouvoir transiter très tôt sur ce build pendant même la fin de votre phase de leveling. Et pour commencer votre farming, c'est un build qui est très confortable puisque vous n'avez seulement besoin que de spammer une touche, les totems. N'hésitez pas à me faire des suggestions et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, pouce bleu, partage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve sur YouTube pour toujours plus de guides et en live sur Twitch. Le lien est dans la description. A très bientôt mes fiers Spartiates. Force et honneur!